Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Chenerille. Dans ce troisième épisode, la suite du compte-rendu de l'étude sur l'avenir du podcast en 2023. La troisième question était: qui écoutera des podcasts en 2023 ? Existe-t-il des publics émergents pour l'industrie du podcast ? Alex Schaffer pense que les réseaux de podcasts devront faire plus pour servir les enfants et les familles de couleur. Corinne Gilliard-Fischer: je pense que les jeunes publics trouveront de l'audio à mesure qu'ils mûriront et commenceront à cimenter des routines pour adultes qui permettront de réduire leur temps d'écran. Dan Misner: la croissance des podcasts continuera de figurer parmi les principaux défis des podcasteurs en 2023. Les podcasteurs avisés continueront d'orienter la conversation vers des mesures qui représentent le véritable objectif de l'industrie du podcast, le temps et l'attention des auditeurs. Gabriel Soto: je parie que l'écoute de podcasts auprès d'un public plus jeune, après un ralentissement au début de 2022, rebondira en 2023. Ces publics plus jeunes, plus diversifiés sur le plan ethnique, continueront de transformer le visage de l'auditeur du podcast pour refléter les Noirs américains, les Latino-américains, les Américains d'origine asiatique et les autres groupes ethniques. La génération Alpha, celle qui est née après 2010, sera mise à l'honneur. Les podcasts pour enfants étant le moyen par lequel les créateurs et les annonceurs chercheront à les atteindre. Conal Byrne pense, lui, que toute personne qui est parent, donc qui a des enfants, a passé les deux ou trois dernières années en première ligne de ce qui est maintenant un problème séculaire avec nos enfants, le temps d'écran. Le podcasting audio offre une alternative convaincante et sans danger. Cette alternative à l'écran continuera d'augmenter à mesure qu'une vague de créateurs de contenu pour enfants envahira l'industrie du podcast en plein essor. Rachel King: je pense que nous allons continuer à voir une progression d'écoute pour les enfants de moins de 10 ans, la génération Z et les boomers. Et plus de chaînes auront une audience plus globale, spécialement avec plus d'adaptations d'émissions grand public, adapté également dans d'autres langues. Ariel Nissenblatt: les adultes de plus de 65 ans continueront à devenir des auditeurs fidèles de podcasts. Les réseaux et les créateurs s'apercevront que cette catégorie n'est pas très bien servie et ils en tiendront compte. Kayla Littman: trois grosses catégories de croissance potentielle de l'industrie du podcast sont les boomers, les femmes et les auditeurs non anglophones. Chris Colbert: en 2022, on a vu une croissance des audiences de podcasts de couleur. En 2023, nous verrons une tendance similaire avec le public latino, car il y a eu une augmentation du nombre de nouveaux créateurs de contenu latino, ce qui signifie un contenu plus diversifié pour attirer de nouveaux publics. Annelise Nielsen nous dit: je vois le public de la génération Z augmenter, mais je pense que c'est davantage parce que la génération Z vieillit, entre dans l'enseignement supérieur et sur le marché du travail. Peut-être que les adolescents ne voudront jamais écouter de contenu audio de longue durée. Et peut-être que ce n'est pas grave. Laura Mayer: la jeunesse, des podcasts de forme longue qui décompose les drames TikTok et d'autres cultures qui ont bouillonné via TikTok. Michel Coury: j'espère que nous verrons augmenter la globalisation du podcasting l'année prochaine. Je pense que nous verrons le succès de podcasts dans plus de langues différentes que nous n'en avons entendu précédemment, qui raconteront des histoires de cultures différentes et d'autres zones géographiques. Et enfin, Josh Dean pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour atteindre de nouveaux publics, en particulier les enfants et les adolescents. Si nous ne les faisons pas écouter, nous sommes condamnés.
Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore. Il est disponible sur iTunes, Stitcher, SoundCloud, Spotify, bref, sur la plupart de vos applications de podcast, Podcast Addict, Apple Podcast et Google Podcast. Et bien sûr, sur notre site plansonore.fr. Si cette diffusion vous a plu, likez, partagez-la avec vos amis sur les réseaux sociaux, abonnez-vous. Si vous voulez être tenu informé de toutes les parutions, inscrivez-vous sur le blog. Et à bientôt sur plansonore.fr.